Nous sommes heureux, en somme, que vous soyez les premiers visiteurs, car nous n'avons jamais ouvert la salle à manger à des classes, à des écoles. On les va les voir sur place, mais on ne les recevait pas ici. Alors vous avez tout ce qu'est, et c'est un mystère, l'Académie de Recours. Vous êtes dans une académie qui n'a pas d'adresse, ou plutôt qui est l'adresse d'un restaurant. Nous sommes là pour travailler, pour donner le goût du français, pour vous donner, si c'est possible, l'amour du français. Je voudrais être la première à déclarer, lancer, avec cette première sélection comme nous venons de publier, la course au prix Goncourt 2011, ainsi que le 24e concours des lycéens, car après tout, c'est cela qui était le centre de notre rencontre, c'était que les lycéens voient les académiciens et que les académiciens voient les lycéens, c'est ce qui a été fait. Je vous remercie. Merci madame la présidente. Madame la présidente, merci infiniment. C'est un bonheur et un honneur pour la FNAC que d'être partenaire pour la 24e édition de ce beau prix Goncourt des lycéens, qui vient réaffirmer au fond la dimension de la FNAC, qui n'est pas, vous le savez, une enseigne comme les autres, qui a un rôle de vecteur culturel incontournable qu'elle entend continuer à jouer. C'est un plaisir pour moi, chers amis, d'être au milieu de vous. Et puis, chers lycéens qui allez, au cours des prochaines semaines, choisir, lire, découvrir, débattre, dialoguer, et puis à la fin sélectionner. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire ces livres que nous avons eu nous-mêmes un plaisir infini à découvrir au moment de la rentrée littéraire. Et nous attendons donc la date du 7 novembre pour voir le prix et le cadeau, revoir la liste et voir le livre que vous aurez choisi à cette occasion. En tout cas, merci pour votre accueil, chers amis académiciens, et bonne lecture à vous tous. Merci infiniment. Merci, monsieur. Le concours l'année dernière, ça se passait en fait, à la rentrée, on nous a dit qu'on allait participer au concours des lycéens. Et finalement, on a appris ce que c'était parce qu'on savait pas, enfin, il n'y avait pas grand monde qui savait ce que c'était que ce prix. Et puis après, quand on a rencontré pas mal d'auteurs, on a rencontré notamment Karine Thuil, Mathias Sénard. Ça m'a apporté une vision de l'écrivain qui était pas celle à laquelle je m'attendais réellement, parce que pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui vit un peu en ermite et qui écrit des livres, mais j'ai vu que c'était pas du tout ça. Ce qui est formidable pour l'auteur, c'est qu'on lui a répété depuis le premier jour où il a écrit qu'il était lu que par des vieilles personnes, que la lecture c'était surannée, c'était dépassé, etc. Et il se retrouve en face d'une bande de jeunes excités qui lui font une standing ovation en poussant des hurlements, et il s'aperçoit que oui, les jeunes aussi lisent la littérature moderne. Ça, c'est le point le plus formidable. Moi j'ai vu, je crois que c'était pour Amélie Nothomb, quand elle était venue à Rennes, donc aux plénières des lycéens, une ovation de 8 minutes debout. C'est extraordinaire. Et pour les lycéens, ce qui est formidable, c'est la découverte d'une littérature qui est vivante, qui est contemporaine, qu'ils ne connaissaient pas, et qui leur fait prendre conscience que lire, ce n'est pas une punition, que les livres, ce n'est pas un vieux machin répugnant. Voilà, c'est un truc formidable, le concours des lycéens. Moi, je l'ai défendu dès le premier jour. J'y participe le plus que je peux. Je trouve que c'est une innovation extraordinaire. D'ailleurs, ça donne des chiffres de vente colossaux pour les livres qui remportent le prix. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est quand les lycéens votent comme nous, parce qu'on se dit, on n'est pas des vieux croutons que ça. Dans le fond, on a les mêmes goûts que ces petits minots. Enfin, moi, je lis beaucoup, mais lire 15 livres en 2 mois, c'est... Oui. Ça va être dur. Mais je pense que je vais tous les lire. Peut-être qu'après avoir lu peut-être les 15 livres, je sais pas, je vais essayer de les lire. Mais j'espère que ça va m'apporter et que je vais encore plus aimer lire. Enfin, j'espère. Moi, je participe avec une classe de première L de Sarcelles au prix Goncourt des lycéens. Et c'est vrai que ça me tenait très, très à cœur, puisque j'ai moi-même participé à cette opération, été jurée du prix Goncourt des lycéens en 96. Et j'étais moi-même en première L à l'époque, donc voilà, ça me tenait vraiment très très à cœur de reproduire cette opération avec les élèves, et j'espère qu'ils auront le même enthousiasme que celui que j'ai eu à l'époque. Je ne connais pas les titres, ils viennent de sortir il y a une heure, donc voilà, je les découvre en même temps qu'eux, et je vais les lire en même temps qu'eux, donc il va y avoir un système de rotation qui sera en fonction de rotation des livres, qui va être en fonction bien sûr de la rapidité de lecture de chacun.
Et après, donc, il y aura, je pense, ménager une fois dans la semaine un temps de débat de peut-être 2 heures dans lesquelles ils pourront échanger leurs arguments avec dans l'idée de pouvoir construire une argumentation qui permettra in fine de prendre une décision et de choisir le livre qu'ils voudront élire. Voilà. Je suis très honorée d'être là avec tous les académiciens. Mais c'est aussi intimidant d'être avec des gens aussi intelligents. Mais c'est vraiment un grand honneur. Enfin, avant de voir les académiciens, je ne m'en rendais pas compte. Je ne pensais pas que ça pouvait changer grand-chose pour la vie de l'auteur. Mais après les avoir entendus, j'ai compris que ça pouvait changer beaucoup pour un auteur d'avoir le prix Goncourt des lycéens.